Salut, donc j'ai un peu testé le Malifist, qui est assez sympa. Bah, je me rappelais pas de toutes ces synergies, enfin que d'une seule en fait. Je me rappelais juste de ça. Bon, ça, je crois qu'il y avait déjà un truc du genre dans la 1. Et zombies et pantin de feu, je me rappelais plus à quoi ça ressemblait. En fait, pantin de feu, ça fait. Ça fait. Là, vous allez voir ce que ça fait. Ça paralyse en fait les ennemis. Ça a marché, hein, mais on va tester. Voilà. Non, merde, pas drôle. Tout à l'heure, quand je l'ai fait, ça a paralysé les deux salamandres. Assez efficace. Sinon, on va faire infernal là. On va faire infernal, ça. C'est assez sympa aussi. Infernal, je me rappelle, il y en a trois, il y avait Fabissal, un truc comme ça, je crois. Ou alors, non, Fabissal, c'est pas un truc d'une relique, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas, je confonds peut-être. Donc là, en fait, pour atteindre le djinn, voilà, il suffit de le faire là, pour transporter là-dedans, et à nous le djinn. Alors, je sais pas si ça modifie les stats de mettre la carte, de changer de classe avec le livre, là. Enfin, bon. Quoi que ça, peut-être l'affinité et tout. Affinité, vent, 124. Non, toujours pareil. Donc, on va faire comme ça. Voilà, on va lui invoquer Thor. Donc, attaque, attaque. Thor, attaque. Je le passe. Hein. 420. Ah, du coup, ça le fait. Ah, bah, si, là, il est frappé à terre. Ah, bon. Peut-être à cause du fait que je suis maléfiste, je sais pas. Voilà, boue. On a enfin une nouvelle synergie. Voilà, Gaïa. Fait et résurrection, ah oui putain. Donc on a Gaïa, Mère Gaïa et Grande Gaïa, ouais, c'est ça le truc. Et on peut enfin lui donner son truc à lui. Donc on va ensuite faire fuir. Voilà, on n'a plus rien à faire ici, on reviendra plus jamais à Kibombo, c'est fini. Alors profitez du paysage parce que vous le verrez plus. Le 2 qui tire la langue, ça fait un peu con, mais bon. Donc voilà. Voilà, on reviendra plus ici. On ne verra plus cette femme. Lui non plus. Adieu, adieu. Je sais même pas ce qu'il m'a demandé, c'est pas grave. Adieu, adieu. Voilà. Ça me fait mal au cœur, mais je ne la reverrai plus. Bon. Et donc, on va retourner à notre bateau. Continuer l'aventure. De toute façon, là, il fallait forcément que je vienne un jour pour récupérer le djinn, hein, puisqu'il me les faut tous. Pour faire le boss optionnel. Enfin. Il n'y en a pas qu'un de boss optionnel hein, en fait. Mais là c'est le plus fort des boss optionnels. En fait il y a 4 seigneurs élémentaires, mais je sais même plus s'il en fait partie. Bon, vous verrez, ils sont vraiment énormes ces boss. Parce que c'est pas des combats traditionnels où ils font des attaques, des trucs comme ça quoi. Il y a des trucs sympas, genre il y en a un, il nous enlève notre djinn. Enfin il est. C'est-à-dire que notre djinn, il les met en. Prêt à invoquer quoi, il les. Il est comment? Il les met comme ça quoi. Il les met en attente. Il les met en attente. Et après, il utilise notre djinn en attente pour lancer nos invocations sur nous-mêmes. Donc c'est horrible quoi le truc. Ah oui, et si je me souviens bien, chaque maître élémentaire, quand on l'a battu, on a le droit à une invocation. Je crois. Enfin, le dernier, je le sais, elle s'appelle Iris, je crois. C'est un truc qui rend de la vie, qui fait des dégâts. Enfin, je crois que c'est Iris. Je crois que je peux pas confondre. Ouais, c'est ça. Ouais, il y en a un par. Je crois bien qu'il y en a un par. Une invocation par. Maître élémentaire. Donc il y en a un de chaque élément. Alors le plus fort, celui qu'on doit battre là, avec. Qu'on doit arriver avec tous les djinns, je sais plus si c'est un maître élémentaire. Hein. Il s'appelle Dula. Dula Han. Ouais, Dula Han. C'est un espèce de
chevalier sans tête, on va dire. Sleepy Hollow. Ouais. Clac. Voilà. On va descendre un peu. Il y en a un, c'est Sentinelle Sage, je me rappelle bien sa gueule, lui. Assez résistant d'ailleurs. Je crois qu'il craint pas la magie ou un truc comme ça. Je sais plus, il y en a un qui craint plus la magie, ouais, ça c'est sûr. Il y en a un, c'est un magicien. Alors lui, c'est l'enfer le truc. Enfin, moi perso, je le trouvais plus dur que les autres. Il a 5 boules avec lui. Il y en a quand même 2, il y en a quand même 5. Pas drôle. Alec. Dôme Alec. Avec vol 2. Vol 2. C'est quoi? Bon. Bon, il a 5 boules avec lui. Il y en a une qui soigne, une qui se suicide sur nous. Une qui le protège. Donc ça lui fait quasiment plus de dégâts nos attaques. Non mais c'est l'enfer quoi. Ah je me rappelle de la musique d'ici. Donc là il y a un djinn, je me rappelle, sous une cascade d'eau. Alors comment qu'on l'atteint? Je sais plus. Attendez. Je fais ça parce qu'on sait jamais s'il y a des trucs intéressants. Bon, s'il y a des antidotes, des trucs comme ça, je m'en fous. Mais les menthes, ouais. Les menthes, c'est pas bien, quoi. C'est pas tous les jours qu'on trouve de la menthe dans l'herbe, dans de mauvaises herbes, quand même. Désolé si je fais perdre un peu de temps. Gradant sphère, je m'en tape. Je la laisse. Voilà, ah, le voilà. Alors faut passer par la. Faut sortir par la cascade, mais alors comment qu'on y va? je parle pas en français en plus. Comment on y va? Bah je sais plus. Je vais chercher, hein, vous inquiétez pas, je vais trouver. C'est pas par là, donc c'est par là. Voilà, c'est pareil logique. Sable. Ah, j'aime bien la musique. Ah bah voilà. On se retrouve dans une caverne. Alors bien sûr, il y en a la moitié qui vont... Il y aura rien derrière. On peut pas voir comme ça, merde. J'ai cru. Eh? Ah merde! Sinon, on l'a plus, tornade. Tourbillon. Mais je crois qu'il y a moyen de voir s'il y a un truc derrière. Il faut bien regarder en fait. Genre, ça, je crois. Là, il y a un truc derrière, là, ça se voit. Si vous regardez vers le haut des feuilles, il y a un truc derrière. En haut à gauche des feuilles ça se voit. Par exemple les deux autres là il y en a pas. Enfin celui de droite il y en a pas. Voilà. Oh, ok. Très bon film. Je vous conseille d'aller voir. Voilà. On va sortir pas loin du djinn. Ah bah ouais. Apocalypse. Je sais pas si nous rejoint directement. Ah bah si. Coup de peau. Trouble, on va lui donner elle. Je ne verrai pas Apocalypse. Peut-être plus tard. C'est un très bon film aussi. Apocalypse Now. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Il n'y a rien, ouais, non, rien. Voilà, donc on va sortir d'ici. Et on va... ouais, voilà. Une goutte d'eau ici, vous voyez.
va faire inondation. Ah, j'adore ce mec. Ça se fait putain de mystique, la musique elle est énorme. La musique de Rufo elle est énorme. Elle fait la, le vœu qui pleut, bon c'est comme ça je suppose. Ouais. Donc je vois, je crois que c'est tout ce qu'elle va faire ici. Donc maintenant c'est partir pour Rocho. Ouf, puissant. Maintenant je privilégie les armures, hein, je vous l'ai dit. Ah mais l'autre il résistait au feu et voilà. Ça c'est moins bien. Bon, on s'en tape. Oh merde. Bon, qu'est-ce qu'il a vendu? Ça c'est sûr, il va vendre. Donc on a, maintenant qu'on a un machin pour enlever les altérations du temps, on s'en tape. La clé, j'ai toujours pas su à quoi elle servait. L'arme de pierre, bon, ça, ça peut servir encore. Ça, on s'en tape, quoi. Le livre, bah, on va le vendre, vous savez quoi. De toute façon, on pourra le racheter, je vous montrerai à la fin du jeu les trucs que ça fait. Les trois, maintenant qu'on a les trois objets de classe, on n'a pas d'autres. Hein. Donc, bouclier. Ah, bizarre qu'est-ce qu'on mange. Je sais pas, non, j'hésite, non, vaut mieux pas. Bon, allez. On va voir. Bon, pas besoin de se soigner. Donc voilà. Donc Rocho est ici. Hein. Alors, comment on y va, je sais plus. Je suppose qu'il faut passer par là. Bah non. Donc, attendez, je vais réussir à l'atteindre, ne vous inquiétez pas. Je crois qu'il faudrait peut-être pas l'atteindre par avec le bateau, je sais pas. Si, c'est ça. En fait, ça servait juste à voir le truc. Quoi. Ah, c'est sympa. Rocho, c'est un de mes préférés. Parce que j'aime bien l'eau, c'est harmonieux et tout. Mon magma, j'aime pas trop trop. Gaïa, j'aime bien parce qu'il y a le serpent et tout, mais. Rocho, c'est un des plus beaux en plus. Hein. La musique magnifique. Donc là, il faut préparer l'inondation par contre, parce qu'on va l'utiliser souvent. Et bien sûr, il y a toujours du monstre pour nous emmerder. Mais... ça, on va se faire une bonne fricassée de calamar. Merde, il est mort. Une fricassée de fée alors. Un poisson. Allez voir, c'est un très bon film. Un poisson dans mes vandas. Je trouve des films à chaque truc. Bon, si on va là, on tombe direct, hein, je crois. Donc on ne peut pas passer.
très serré. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Alors par contre, je sais pas pourquoi il y a un tronc aussi. Je vais le déplacer pour le fun, mais je vois pas l'intérêt. Ouais, génial la musique. Enfin, elle va bien avec l'eau, je trouve. Oh, les scales. Voilà, c'était un cul-de-sac. Eh, comment tu veux passer là? Totalement impossible. Non, je peux pas. C'est impossible. Alors là, j'aimerais qu'on m'explique quand même. Est-ce que ça avait un rapport avec le tronc en haut? Attendez. Ah bah oui, mais je suis con, on peut le déplacer. On peut le déplacer à droite. Pff, quel boulet. Bon, par contre, pas faire la connerie de se déplacer avec. Sinon, il va nous retomber sur la gueule. Voilà, et on va bientôt se quitter. Bah, juste après ce combat, tiens. Merde. Voilà, après avoir une noisette. Bah c'est maintenant qu'on se quitte. Non, non, ça n'a aucun rapport avec la noisette, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Enfin bref. Voilà. Allez, à plus. Et buvez de l'eau. L'eau, c'est la vie.